Alors, on va regarder un peu ce qui nous attend sur décembre. Donc, pour simplifier les choses, pour les rendre aussi plus claires, je vais plutôt, en fait, poser des questions parce que ainsi, il sera plus facile de décrypter un petit peu les tirages. Alors, on va déjà demander si, en France, le gouvernement français va imposer davantage de restrictions au fameux mouton noir que nous sommes. Alors, bon, évidemment, je suis en Allemagne, mais enfin, bon, ça va être la même chose ici. Donc, je m'inclus dans le groupe des moutons noirs français. Alors, au niveau de la coupe, on a les gens qui continuent un petit peu à vaquer leurs occupations. Et là, on a le niveau mondial. Bon, donc ça veut dire aussi que ça concerne tout le monde. Et que malheureusement, il y a une partie de la population qui ne va pas réagir. Mais on va se concentrer sur les moutons noirs. Donc, les prochaines mesures du gouvernement, on va prendre trois cartes par rapport aux moutons noirs. Comme ça, je suis sûre de ne pas être censurée. Alors, on a des choses qui s'accélèrent. Ah ben ça, c'est justement les fameux moutons noirs. Ce sont les gens qui sont plutôt en spirituel, hein, ou en tout cas éveillés. C'est nous ici, avec une personne à l'intérieur. Alors, ça peut être l'énergie féminine. Mais bon, c'est pas forcément une personne, hein, c'est plutôt symbolique. Et ici, on a le monde. Est-ce qu'on a les cartes postales? Donc, on a des choses qui s'accélèrent pour les moutons noirs, mais c'est pas que en France. C'est pas que en France. Alors, on va savoir... Enfin, plutôt, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils vont encore nous rajouter. Sur cette question-là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des mesures qui vont mécontenter tout le monde. Oui, et puis c'est aussi que eux aussi, ça leur pose problème qu'on résiste. En fait, il y a les deux, hein. Bon, bah écoutez, ici, vous avez bien la barrière. Donc, ils vont bien nous rajouter des barrières. Alors, est-ce que ce serait le confinement, rester à la maison? Mais je dirais que oui, c'est une hypothèse tout à fait logique. Le confinement des moutons noirs. Le confinement des moutons noirs. Donc, ici, je reviens sur ce que je disais, en fait. Ici, c'est plutôt le gouvernement qui accélère. Et donc, c'est le gouvernement qui est en train de passer par toutes les couleurs de la colère. Hein, c'est plutôt ça, je viens de le comprendre là. Donc oui, possible confinement pour les moutons noirs. Alors à la maison, ça peut être aussi dans les commerces, on va demander. Si ça peut être une restriction, enfin bon, on a déjà une restriction dans plein de choses. Hein. Cinéma, etc., etc., je vais pas vous refaire la liste. Mais là, il y a quelque chose en plus. Donc, moi, j'étais partie sur la maison. On va demander si c'est bien ça. C'est une question de temps. Ouais, donc ça nous pend au nez. Bon, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, prochaine restriction en vue, oui. Le confinement des moutons noirs. Bon, alors, j'ai dit décembre. Bon, en tout cas, on va dire que ça va commencer à partir de décembre. Et c'est vrai que j'ai l'éclipse de décembre qui m'indique également... qu'il y a des choses qui vont s'accentuer. On va regarder maintenant la réaction des personnes, donc des gens. Alors, on va dire des gens en général, parce que je ne fais pas de distinction entre les moutons blancs et les moutons noirs. Hein. Voilà. Évidemment, c'est plutôt les moutons noirs qui manifestent, mais enfin, bon, il y a aussi des gens qui se sont fait injecter et qui sont solidaires, parce qu'ils ont commencé à comprendre que la troisième dose, ce n'était que le début. Alors, les réactions, la réaction des personnes. Donc, voilà, par rapport aux restrictions à venir. Encore la maison. Les enfants. Protéger les enfants. Il va y avoir un appel pour protéger les enfants. Je vous le dis depuis des mois maintenant que les enfants sont en danger. Là, on a bien la protection ici. Alors, la maison, on va voir ce que c'est. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien un appel à défendre les enfants. Ça, c'est sûr. Toujours l'étranger qui ressort. Décidément, je sors. Ça fait déjà deux fois que je sors cette carte-là. Et pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes.
Donc là, je pense que cette carte-là, ça va être plutôt les foyers, en fait. Hein. Les foyers, voire les écoles, éventuellement. Hein. En tout cas, l'étranger, la défense des enfants. Voilà, stop, stop pour les enfants, vous voyez, donc ça sort bien. Et là, et oui, le danger. Le danger par rapport aux enfants. Bon, donc la deuxième information, c'est que le monde, c'est pas que la France, c'est que le monde va se mobiliser. Les foyers vont se mobiliser par rapport aux enfants pour les protéger. Donc il va y avoir vraiment un appel. On va regarder éventuellement si je peux avoir encore d'autres informations, parce que ce thème des enfants est au cœur en fait du débat. Hein. On voit nettement le danger ici. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est bien orchestré par les marionnettes. La marionnette ou les marionnettes. En tout cas, la marionnette en France, on sait qui c'est. Hein. C'est Caligula, ici, qui danse au son du marionnettiste, hein, qui n'a pas l'air très sympa quand même. Bon, ça, c'est sûr. Mais c'est pas que en France, hein, je vous dis, hein, on sait qui c'est en France, mais dans le monde, en fait, ils sont tous sous le joug du marionnettiste. Hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas que en France que la situation concerne les enfants. Enfin, bon, je vous apprends rien. C'est le nouvel ordre mondial. Les mères, alors pas que les mères au foyer, les mères qui travaillent aussi, hein, il y a les deux. Il y a les mères au foyer, les mères qui travaillent, voire les mères qui travaillent au foyer. Donc elles vont agir. Elles vont se mobiliser pour défendre leurs enfants. Les femmes en premier lieu, je dirais. Et ici, alors, il y a des choses qui sont mises en place. C'est une espèce de container ici. Hein. Alors, ça peut être les flacons, justement, les fameux flacons ici. Alors, bon, ils sont un peu grands, mais enfin bon. On peut voir ça comme ça. Pour moi, ici. Qui est vraiment indiqué. Ça fait penser au flacon à cause de la forme. Hein. Je vois rien d'autre qui me vient en tête sinon. On va voir quand même si cette action va être va porter ses fruits. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. On va voir si cette action qui va être mise en route, pardon, va enfin, ce qu'elle va provoquer. Là, je vais remettre encore trois cartes parce que cette action-là, je sens qu'elle est importante, que ça va vraiment vraiment être là en décembre et dans les prochains mois. Les enfants, les enfants, les enfants. Alors, pour moi, ça, bon, c'est un open space, c'est vrai, mais ça peut être aussi la communication entre les gens. Ici, ici, il y a bien encore la barrière. Décidément, on a le stop et la barrière. Ouais, donc, il va y avoir des gens qui vont communiquer, qui vont essayer de faire blocage. Hein. Voilà, blocage par rapport à Castox, Castor, je ne sais même plus comment l'appeler. Castor et son équipe de fous, voilà. Bon, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Blocage pour défendre les enfants du fait de ce que vous savez qui a été mis en place et que je voyais déjà depuis des mois. Voilà, ça c'est la deuxième information. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va regarder au niveau politique. S'il y a quelqu'un qui peut éventuellement ressortir du lot pour faire un peu avancer les choses, mais j'avoue que les politiques, je n'y crois pas trop. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va être le peuple qui va devoir se libérer parce que même s'il y en a certains qui sont bien sympas pour l'instant, ma foi, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses. Bon, il y a quand même Florian qui arrive à rassembler les gens, c'est vrai, il faut quand même être juste. Hein. C'est le seul en fait qui rassemble autant de gens, mais son action pour l'instant, mis à part le rassemblement des gens, ma foi, il n'y a rien de changé. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va quand même regarder au niveau politique. Alors, il y a les gilets jaunes ici. Ouais, il y a les gilets jaunes. Bon, ok. Bon, eux, ils sont là. Ils sont toujours là, ils sont toujours en action. Donc, on va regarder un petit peu au niveau politique. Encore une fois, s'il y en a un qui va sortir du lot, qui va faire bouger les choses. On va regarder. Ah bah tiens, qui c'est? Là, c'est Macaron. Non, je préfère Caligula quand même. Macaron, ça lui va pas parce que le macaron, c'est bon, un macaron. Enfin, moi, j'aime bien les macarons, en tout cas. Bon, alors, c'est Caligula ici. Mais à chaque fois, il a pas l'air très, très serein. À chaque fois, il se retourne là. Il y a la tempête qui gronde. Donc, il n'est quand même pas aussi serein que ça. Hein. Il fait quand même des soucis. Ouais, donc il y a là, ici, le gouvernement qui...
qui met la main sur les oreilles parce que les gens, ils grondent, ils crient. Donc là, il n'a pas envie d'entendre. Et là, c'est toujours la mise en place, alors, des conteneurs. Et donc, on met en place des choses. Donc, au niveau politique, c'est plutôt le gouvernement que je ressors. Par contre, au niveau de l'opposition, j'ai rien. On va regarder quand même s'il y en a un autre qui pourrait, je sais pas, faire une différence. Ouais, bon, bah là, on est toujours sur les histoires de Caligula qui accélère, hein, avec son équipe. On est d'accord. Ah, il y a toujours la notion de barrage, mais c'est pas l'opposition, ça. Je vois personne dans l'opposition, hein. Et toujours les histoires d'injection, là. Non. Pour moi, c'est je sors que le gouvernement pour l'instant. Je sais pas quelqu'un d'autre. Je vois simplement le gouvernement qui accélère en mettant de plus en plus de restrictions, les mesures en place pour prendre la troisième dose. Vous voyez les pommes. Alors, entre nous soit dit d'ailleurs, ça me fait tout de suite penser qu'il n'y aura pas que trois doses. Vous voyez que le panier ici, il est bien rempli. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser à compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y en a 10 de doses. Et ici, éventuellement, une 11e. Donc, on peut dire qu'on est déjà parti sur éventuellement même 12 doses. Voilà. Et que là, ma foi, la troisième, ce n'est que le début. Bon, bref. Donc, je n'ai pas d'opposition qui apparaît véritablement là, maintenant. Sur décembre, je n'ai personne. Alors, on va poser la question par rapport à Florian, puisqu'il y a surtout lui qui me vient en tête. Hein. Est-ce que l'action de Florian pourra apporter quelque chose par rapport à l'action du gouvernement qui s'accélère, hein? Il faut poser des questions. Je trouve que c'est peut-être plus parlant. Alors, toujours le. Décidément, on a des gens qui courent ici, on a les cavaliers qui courent. Et là, je suis sur l'action de Florian. Donc, lui, il court dans l'autre sens. On peut voir ça comme ça. Hein? Le gouvernement va vers un côté. Et Florian va de l'autre côté, puisque j'ai posé la question sur lui. Là, on a la question des enfants, dont Florian va certainement parler. Et là, bah, je retombe encore sur l'action du gouvernement, décidément. Il est partout, ce gouvernement, hein. Il est vraiment partout. Je suis restée sur Florian, donc j'ai repensé à lui. Parce que lui, c'est le seul qui contre vraiment l'action, hein, du gouvernement pour l'instant. Donc on va voir. J'insiste encore un petit peu au niveau des cartes. Bon, alors, il essaie en fait d'éveiller les consciences, hein, avec les trois doses d'ailleurs. Hein. Il essaie vraiment de faire passer les gens de la couleur passive à la couleur rouge, les mettre un petit peu en route. Hein. Ça, c'est parce qu'il dit aussi que le temps presse et il a raison. Bon, ben voilà, une alors, c'est pas une rose, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire rose, une belle tulipe, hein, une belle fleur. Hein. Donc là, c'est une fleur de. Comment dire? Alors, je ne connais pas le symbole de la tulipe, mais pour moi, c'est quand même quelque chose que l'on apporte. Une espèce d'espoir ou de cadeau, de quelque chose qui est beau. Donc là, la volonté d'apporter des belles choses. Voilà, la volonté d'apporter un renouveau. Bon, ça reste quand même très, très théorique tout ça, hein. Puisque là, on a quelqu'un qui libère des papillons, par exemple, hein. On peut voir ça comme ça. Donc les papillons, c'est la liberté, c'est l'espoir. Et donc la volonté, encore une fois, de réveiller les consciences. Mais sinon, je ne vois rien d'autre. Hein. Il n'y aura pas de changement extraordinaire en décembre par rapport à l'action de Florian. Non. C'est plus, encore une fois, rassembler les gens, faire passer les gens d'un état à un autre et apporter l'espoir de liberté. Mais c'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore à part ça? Il va falloir qu'on sorte du mois de décembre parce que sinon, on va pas avoir beaucoup d'événements. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un événement, on va dire, alors international cette fois? Donc, je vais sortir de la France. Donc, international, qui pourrait avoir des conséquences sur la France. Voilà. Donc, on peut aller regarder du côté des États-Unis, puisqu'il y a le procès Maxwell, du côté de l'Autriche, où ils sont en train de se battre, du côté de l'Australie aussi. Enfin, bon. Donc là, il y a les migrants aussi, évidemment. Mais j'essaie de voir s'il y a un événement vraiment majeur qui pourrait influencer les choses. On va essayer de voir. Donc là, j'ouvre le jeu, en fait. Hein. Alors, les restrictions et quelqu'un qui est en train de téléphoner tout en haut, tout en haut. On peut imaginer que c'est le haut d'un building, donc quelqu'un d'important. Donc les restrictions qui sont téléphonées. Bon, ben, écoutez, hein, voilà.
Donc, des restrictions qui vont être encore ordonnées. Alors, est-ce qu'on va avoir quand même un événement majeur, que ce soit encore une fois aux États-Unis, qui reste quand même assez discret finalement, hein, même s'il y a des choses qui sont en train d'être mises en route. Mais pour l'instant, on n'a rien, pas de conséquences. L'Autriche, bon, ok, on a compris. L'Australie, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Alors, et la Guadeloupe, mais la Guadeloupe, c'est pour moi, c'est la France. Donc, bon, c'est loin, ceci dit, quand même. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu bloqués là-bas, moi. Hein. Bon, alors, événement important qui pourrait avoir des répercussions sur la France. Donc, on va voir ce que le jeu va nous sortir. Alors, les papillons. Donc, un vent de liberté, une panne. Bon, pour moi, c'est un appel à arrêter, à faire arrêter les restrictions pour conquérir les libertés. Donc c'est ça en fait au niveau mondial. J'ai pas un événement particulier. J'ai plutôt des gens qui appellent à arrêter. Alors on va voir ce que c'est, mais pour moi c'est la politique sanitaire. Hein. C'est ça. Et ça peut venir du monde. Donc regardez ce qui doivent être ce qui doit être arrêté ici. Mais enfin je pense vraiment que c'est ça. Et ce qui doit être arrêté aussi, c'est la répression. Alors, ouais, mais bon, c'est un appel qui risque de susciter finalement de l'indifférence. Ouais, toujours par rapport aux mesures, hein, voilà. Les mesures, et là, oui, les mesures, et donc c'est ça, c'est la liberté par rapport à l'enfermement. Donc, il va bien y avoir un appel. Mais encore une fois, j'ai peur que ça ne suscite que de l'indifférence ici. Ce qui m'embête un peu. On va regarder qui est-ce qui appelle. Si on parle des indications. Ah, pour faire bouger les choses, c'est difficile. Hein. Franchement, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. C'est qu'une petite minorité hein, qui bouge. Hein. Les autres, ils sont assis et voilà. Et ils ne font rien. Bon, alors, qui est-ce qui appelle ? Alors, apparemment, ce n'est pas qu'une seule personne. C'est ce que le jeu me dit. C'est un groupe de personnes ici. Un peu de la même façon que les cartes... J'avais tiré ces cartes-là sur le gouvernement, où il y avait une accélération. Là, pour moi, c'est un groupe de personnes. Bon, plusieurs personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans le monde médical ou autre chose? On va regarder. Alors, décidément, j'ai encore les histoires d'accélération. Ouais, les choses bougent, bougent, bougent. Ah, ça, cette carte-là est intéressante. Cette carte-là est intéressante puisque ça peut quand même nous parler de personnes importantes ici qui veulent faire bouger les choses. Mais je ne sais pas encore dans quel domaine. Est-ce que c'est le domaine médical? Non, c'est plutôt des personnes qui sont justement pour défendre les moutons noirs, pardon. Ça y est, dire les non-vax. Enfin bon, c'est plutôt les personnes qui vont s'engager pour ceux qui sont attaqués. Donc les moutons noirs. Donc là, ça pourrait bien être les questions de justice qui interviennent. On va voir. Alors, est-ce que c'est les gens qui appellent ici à l'arrêt de la répression, hein? Plutôt des gens dans le domaine... alors oui, c'est bien des gens, c'est ça. Alors, les gens à l'étranger et qui font quand même bouger les choses avec un vent de tempête là qui se lève. Hein. Ouais, donc on va quand même avoir des événements internationaux qui vont passer vraiment, vraiment par des appels. Des appels à la révolte. Pour moi, c'est ça. Les appels à défendre la liberté. Et à défendre les gens qui sont injustement aussi attaqués. Ouais. Donc ça, ça va être au niveau mondial. Est-ce que ça va venir des États-Unis? Ouais, pour l'instant, là-bas, ils ont un petit peu d'autres soucis, j'ai l'impression. Ils ont du mal à faire bouger les choses aussi. Enfin, ça se fait, mais comment dire, étape par étape, presque, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je ne suis pas sûre que ça vienne des États-Unis. Est-ce que ça peut venir plutôt de l'Europe, alors? Ouais, toujours Castor, là, et son équipe. Hein. Oh là là. Il m'énerve, celui-là. Bon. Ben, ça peut être de la France, tout simplement. Hein.
Est-ce que l'Europe intervient dans cette histoire? Oui, non, c'est vraiment ça. Hein. C'est, vous voyez, je ressors toujours la même chose. Hein. C'est vraiment un appel. Alors, c'est plus la France quand même que le monde. J'avais demandé quelque chose au niveau international. Oui, il va y avoir des appels internationaux, mais c'est quand même davantage centré sur la France, voire l'Europe éventuellement. J'ai pas un pays qui ressort. Est-ce que je pourrais avoir un pays quand même? Enfin là, il me dit que c'est quand même l'équipe des bras cassés qu'on a, quoi. Bah oui, l'enfumage, voilà, comme l'avait dit très justement quelqu'un, c'est ça là. Ouais, c'est ça. C'est les histoires d'enfumage. Bon, la propagande en fait. Hein. Bon, j'ai rien de spécial sur décembre. Je vais demander si on va avoir quand même une catastrophe ou ce genre de choses. Hein. On en a une avec le naufrage. Enfin bon, c'en est une quand même. Est-ce qu'on peut avoir un attentat, ce genre de choses sur décembre? J'ai l'impression que tout est repoussé, moi. Je ne sais pas quel est votre sentiment. J'ai l'impression que tout est repoussé vers 2022. Que tout ce que j'avais vu jusque-là, bon, bah, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Hein. L'armée, tout ça. Enfin bref, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai été un peu trop courte au niveau du temps. Pour une raison ou une autre. C'est-à-dire que les choses sont retardées. Mais ça, moi, je crois beaucoup à l'influence de la pensée pour ça. Hein. Donc, si on a des milliers de personnes, malheureusement, qui sont dans le nom, alors même des millions, hein, n'ayons pas peur des chiffres, hein, qui sont en train de se focaliser sur ce qu'ils veulent mettre en place. Hein, ils ont leur plan. Donc, s'ils ont leur plan, c'est clair dans leur tête. Et si c'est clair dans leur tête, c'est en train d'être créé. Eh bien, à ce moment-là, il faut faire le contre-pouvoir. C'est-à-dire que tous les moutons noirs doivent aussi penser l'inverse, tout simplement. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'on va avoir une catastrophe ou un attentat ou ce genre de choses? On va essayer de voir. Donc là, on va rester sur la France. Non, c'est plutôt, vous voyez, encore et toujours. Hein, pourtant, j'ai mélangé mes cartes. Des discussions, des altercations, des conflits, toujours par rapport à la dose, voire le médicament. Enfin bref, de toute façon, le poison. Mais on va quand même redemander. Est-ce qu'on peut avoir un attentat au genre de choses sur décembre, hein, j'insiste. Hein. C'est plutôt une prise de conscience. Hein. Vous voyez que c'est ça toujours que je ressors. Hein. C'est une prise de conscience ici. Vous voyez ici. Hein. On passe du vert au rouge. Hein. C'est comme le feu. Sauf que là, le rouge, c'est là où on est actif. C'est une prise de conscience. Alors, éventuellement, par rapport aussi aux personnes âgées et aux enfants. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir. Hein. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot, donc je préfère vous le dire de façon métaphorique. Et pour les enfants, ça risque d'être la grosse catastrophe. Ouais. C'est plutôt ça, moi, je vois. C'est pas un attentat. Hein. On va revérifier. C'est pas ça que je vois pour l'instant. Ça viendra, mais plus sur 2022. Bon, la menace, hop, sur la tête, ici. Les gens, voilà, les gens en général, hein, dans leur quotidien. Et les gens qui sont dans la précarité aussi. Il y a ça aussi. Ouais, donc, c'est pas vraiment l'attentat, vous voyez. Non, c'est pas ça que je sors. C'est plutôt la précarité ici qui ressort. Avec les menaces. Une très nette menace par rapport au quotidien des personnes ici. La menace que beaucoup perdent leur emploi et la menace aussi qui pèse sur les enfants et les personnes âgées. Encore une fois, avec une prise de conscience, est-ce que le jeu peut bien me confirmer? Mais j'ai pas d'attentat, non. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'espèce de danger, là. On voit bien la falaise ou le rocher, je sais pas exactement ce que c'est, qui est en train de tomber sur une personne symboliquement. Hein. Donc, sur les gens en général. Hein. Vous l'avez ici et là. Donc, c'est le sauf qui peut général. Bon, donc sur décembre, vous avez un petit peu mes petites prévisions. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Donc, au niveau politique, ma foi, bof, ça ne bouge pas beaucoup, mis à part les rassemblements. On a vu hein, les moutons noirs qui risquent d'être confinés, ou encore plus restreints en tout cas. Les enfants qui sont en danger, voilà, la précarité. Bon. On va regarder un petit peu sur l'Autriche, comment ça va se finir tout ça. On va voir si le jeu peut me donner quelques éléments. Alors, comment on va finir l'Autriche? J'en avais déjà fait un hein, de tirage, j'avais dit qu'en fait, ça
Ça devrait se calmer au bout d'un moment quand ils auront leur quota. Mais il y a quand même l'armée qui est intervenue pour défendre les gens. Et ça, c'est bien. Donc, on va voir un petit peu au niveau de l'Autriche si l'armée qui s'est rangée du côté du peuple avec les policiers peuvent faire bouger les choses. Ah, encore et toujours les obligations. Hein, ça ressort toujours, vous voyez. Hein. Alors, les obligations qui vont être communiquées ici. Bon, là, je suis sur l'Autriche. Donc, ça va bien être médiatisé. Alors, est-ce que l'armée là-bas va réussir à faire cesser tout ça? Donc là, on a des gens qui se regroupent quand même. Ah, il y a un retard. Ah oui, il y a quand même un appel. Hein. Ah, ils peuvent au mieux... Alors, il y a deux choses. Soit ils peuvent être bloqués, soit ils peuvent arriver à retarder les choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils risquent d'être quand même bloqués. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que l'armée et la police là-bas vont plutôt être bloqués? Donc ça, c'est les gens en général. La population. Il y a toujours les questions des médias aussi. Mais est-ce qu'ils vont être bloqués ou pas? Ouais, la bouée à la mer. Donc, ils vont quand même se retrouver en demande d'aide. Oui, c'est ça, en demande d'aide. Hein. C'est exactement ça. Hein. Il n'y a personne autour de la bouée. Hein. Donc, j'ai envie de dire que en fait, l'armée et les polices lancent une bouée à la mer, mais c'est un peu trop tard. Est-ce que la dictature va gagner en Autriche? On va poser la question comme ça. Ah, il y a le confinement. Hein. Ils vont confiner les gens. Hein. On va redemander, est-ce que la dictature va gagner en Autriche? Ah, ils vont quand même être montrés du doigt au niveau mondial. Hein. Donc, ça va secouer les consciences. Hein. Mais ça ne me dit pas si la dictature gagne. Il y a les enfants là-bas, ouais, aussi. Ouais, je suis désolée pour l'Autriche, ils vont remettre un tour de vis. Hein. Et ça va être vraiment montré du doigt. Ainsi que la question des enfants. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, même avec l'armée. Hein. Ces gens-là, ils sont puissants quand même. Hein. Il va falloir qu'on commence à rentrer vraiment, vraiment dans la résistance, hein, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Et il ne faudra pas que ce soit qu'un seul pays, mais tous les pays. Moi, c'est ce que je vois, hein. Ça va être une lutte de longue haleine. Bon, ne perdons pas courage, ne paniquez pas, recentrez-vous sur vous. N'oubliez pas qu'on a aussi le côté visuel qui est très important. Moi, je ne peux pas m'imaginer vivre dans une dictature, et ça, c'est important. Étant donné que je ne peux pas l'imaginer, donc je le refuse, et donc je ne le rends pas réel. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que tôt ou tard, ça va s'arrêter. Je n'ai pas l'impression que ce sera sur décembre, finalement. Vous voyez, je me contredis moi-même par rapport à la dernière fois. C'est pas si facile que ça, parce qu'en face, ils ont aussi des outils. Et nous, il serait temps qu'on se serve aussi de nos outils mentaux, intellectuels et spirituels. C'est vraiment important. Et surtout, surtout, qu'on soit solidaires. On va demander d'ailleurs au jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renverser la vapeur, pour justement avoir une chance d'échapper à toutes ces restrictions. Quel est le conseil que le jeu va nous donner? Alors, je parle sur la France. Hein. Ça pourrait être applicable, évidemment, éventuellement aux autres pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer les fous qui sont au pouvoir? Alors, ici, ouais, il va falloir jouer finement parce que c'est un équilibre instable. Et ici, alors ça fait penser quand même à une espèce de juge ou de tribunal. C'est pas une carte qui est très active. Hein. Je vois un désaccord.
Ça voudrait dire éventuellement aussi marquer, continuer à marquer son désaccord, mais la situation, elle est très instable. Alors, on va quand même continuer à demander au jeu. Alors, quel est le conseil pour continuer, enfin, pas pour continuer, pour avoir gain de cause, en fait, plutôt, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas hésiter à te poser des questions franches au jeu, sachant que c'est toujours l'intuition qui répond, évidemment, hein. Bah, la solidarité, hein, vous l'avez ici. Ça, c'est l'autre débile. Excusez-moi, je suis en colère aujourd'hui. Pourquoi? Bah, j'ai mon fils de 16 ans qui vient d'être privé de football, voilà. Parce qu'il n'est pas, mouton blanc, il est mouton noir et ça m'énerve. Voilà. Bon, donc, c'est la même chose qu'en France. Je vous avais dit que ça allait venir de toute façon. Bref, donc ça, c'est l'autre Caligula, là. Et là, il y a l'escalier. Ah, alors, l'escalier, ça veut dire pour moi qu'il va falloir aller un cran plus haut dans la solidarité. On va remettre des petites cartes. Ça va être intéressant. Donc ici, je vous dis, hein, c'est la solidarité, mais on voit très, très bien que les gens, là, avec le coq, hein, ils sont en train de tirer d'un côté. Et l'autre côté, il y a lui, là. Hein, on est d'accord. Hein. Et là, donc, il y a l'escalier. Alors. Donc, le jeu me dit, faire preuve de solidarité. Mais encore, mais encore. Donc, on va laisser l'autre tout seul au milieu, là. La solidarité qui doit être internationale. Absolument. Alors, parce que... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, pour aller plus haut, ce qui va aller plus haut aussi, c'est l'enfumage, la propagande, l'intoxication, en fait, c'est ça. Donc, en fait, il y a ça ici, il y a ça de l'autre côté. Ouais, ça veut dire que la propagande va continuer. Hein. Donc... Solidarité internationale. Ok. On va remettre des petites cartes par là et par là. Ouais, donc c'est bien ça. Vous voyez, on a bien union de plein de personnes. Mais alors attention, parce que le jeu me dit aussi que ça peut être des gens anonymes. Donc il va falloir éventuellement être prudent ici et résister en ne s'exposant pas trop non plus. Bon, ben, vous avez ici le monde. Hein. L'intoxication, elle est mondiale. Hein. L'enfumage. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir encore d'autres indications, savoir comment résister sans trop s'exposer non plus? C'est les enfants qui vont nous donner la force, en fait. La protection des enfants. Il va falloir, en fait, agir par rapport à ça. C'est là où on arrivera à avoir l'unité. Parce que on peut être en désaccord sur plein de choses. Mais à partir du moment où les enfants sont touchés, les enfants, les ados, évidemment. Hein, là, il y a les deux. L'innocence qui est en danger. Eh bien, ça peut faire, on appelle ça le consensus, je crois. Hein. Parfois, j'oublie mon français. Vous m'excuserez, après 20 ans, 21 ans en Allemagne, c'est un peu difficile. Voire 22 ans, je crois. Bref, donc... c'est les enfants qui vont faire l'unité. Donc, se rassembler autour des enfants. Parce que si on fait... si les enfants deviennent moutons blancs, alors, ma foi, leur futur risque d'être fortement compromis. On va redemander encore. Hein, au niveau santé, hein. Ah, il y a deux qui voulaient sortir, donc on va les prendre toutes les deux. Vous voyez, encore, hein, encore les enfants, décidément. Et là, le rideau. Alors, le rideau, c'est du théâtre. Donc, c'est le mensonge, c'est les choses qu'on dissimule. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Donc, lever un peu le voile, en fait. Hein. Et est-ce que là, on aurait une chance, alors? Je viens de vous dire ce qu'il fallait faire. Donc, se recentrer sur les enfants et surtout, surtout, être solidaire, mais mondialement. Ouais. Donc, il va falloir montrer le coupable. Mais tout le monde, vous voyez, tout le monde, tout. Là, on a plusieurs personnes qui montrent une personne du doigt. Ou les responsables. On va le mettre là, parce que ça, c'est lui qui est montré du doigt. Ah, mais pour l'instant, lui, il se met à l'abri. Bon, on va rester sur le « que faut-il faire ?». Lui, il se sent à l'abri, hein, dans sa cabane à l'Élysée, là, tout en haut, hein, au sommet du pouvoir. On va redemander encore au jeu s'il peut nous aider. Alors, un autre conseil pour faire la contre-opposition et pour gagner.
On va mettre deux cartes ici. J'essaie de bien me concentrer. Ouais, donc ça, c'est les obligations, hein, je dis. Hein. Ouais, il faut éviter absolument la division. Hein. C'est ça. Hein. Il faut absolument éviter ça. Hein. Bon, ça, c'est un conseil qui est dans l'autre sens, en fait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est nous diviser par rapport aux obligations. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis des mois. Et là, ça va s'accentuer. Donc, la seule solution, c'est de combattre pour les enfants. Alors, est-ce que, pour combattre avec les enfants, est-ce qu'on peut se servir de la justice? Ou est-ce qu'il va falloir aller un cran au-dessus dans la défense? Alors, on va essayer d'encore rester un petit peu. Non, ça, c'est nos gilets jaunes. Donc, d'accord. Donc, il va falloir vraiment se mettre à l'ouvrage. Hein. Donc, c'est plutôt des manifestations pour moi. OK. Et de dire vraiment stop. Oui, d'accord. Mais alors, comment? Alors, ça, c'est encore le tour des coups. Ah, ben, ça, c'est le gouvernement qui met le tour des coups. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ça. Ah, il y a quelqu'un ici qui pourrait parler d'une voix. Ou en tout cas, quelqu'un à qui on donne la parole. Donc, se faire représenter, en fait. Il faut se faire représenter. Il faut qu'on donne la parole à quelqu'un ici. Est-ce que c'est quelqu'un de politique? Ouais, non, c'est plutôt les femmes, en fait. Hein. Les femmes, bon, c'est les femmes qui vont monter au créneau. C'est curieux, hein, mais j'ai l'impression. Hein. Alors, les femmes ont une femme, en tout cas. Ouais. Bon, il va y avoir des histoires d'escalade. Ça va escalader et ça va vraiment, vraiment, vraiment concerner les enfants. C'est eux qui vont déclencher. Ça fait longtemps que je l'avais dit, ça. C'est eux qui vont faire que les gens vont bouger, en fait. Mais en face, on aura quand même toujours les restrictions, hein, qui sont toujours là. Et le tour de vis. Et là, les gens, eh bien, à mon avis, par les réseaux sociaux, ils vont s'organiser. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a les enfants qui vont être mis à l'abri, là. Donc, c'est pas fini encore. C'est pas fini et... Je sais que c'est très dur psychologiquement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui craquent. Mais il faut s'attendre sur 2022 à quand même les combats qui continuent. Ne croyez pas que ça va être réglé d'un jour à l'autre. Hein. On a loupé quelque chose. On a loupé le coche. On a loupé le coche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait pu. Quand je dis « on », je parle du peuple français. On aurait pu arrêter tout ça. Il y a eu un manque de solidarité. Hein, il y a certains qui ont malheureusement joué les moutons blancs et qui ont choisi leur camp. Et ça, ça a retardé tout. C'est ça qui a tout faussé, en fait. Et ça, je crois que beaucoup d'entre nous ne l'avaient pas vu, n'en avaient pas tenu compte. Alors, on s'attendait à plus de résistance. Or, la résistance, elle fait quoi? 20%, 25%? Je ne suis même pas sûre. Hein. Mais les enfants peuvent changer la donne. C'est-à-dire que quand il y a des parents qui vont s'apercevoir que leurs enfants là, réagissent très mal, c'est peut-être ça malheureusement, on va regarder, c'est peut-être ça malheureusement qui va enfin éveiller les consciences, mais c'est malheureux. Est-ce que c'est vraiment par rapport à des drames qui peuvent intervenir par rapport aux enfants, qu'il peut y avoir un réveil? Alors, il y a les questions d'enfermement, il y a aussi les questions psychologiques par rapport aux enfants, c'est vrai. Hein, il y a de plus en plus de suicides. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Il y a ça. Voilà. Et c'est ça. Et c'est vraiment ça qui va provoquer, vous voyez, l'escalade, là. Moi, pour moi, c'est la question des enfants qui est là. Hein, là, on a les gens qui sont dans le noir. Donc, ça, c'est le gouvernement, par exemple, qui est en train de mettre des projets sombres. Hein, vous voyez, ils sont cachés. Il y en a quatre, d'ailleurs. Hein. Bon, il y en a, on connaît, hein. On sait qui c'est, hein. Enfin bref, il y a le gouvernement qui est en train de mettre des projets vraiment sombres en place pour les enfants. Et c'est là vraiment, que là, ça va escalader. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a les conséquences psychologiques des enfants, l'enfermement. Et est-ce qu'il y a les questions de santé aussi, enfin, les autres que mentales? Ouais, la bouée à la mer. Donc, ils vont avoir besoin d'aide. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, j'ai pas de carte expressément de maladie dans ce jeu-là. Mais on montre que là, il va y avoir une aide nécessaire.
absolument nécessaire et obligatoire pour les enfants. Sinon, ils vont se noyer. Hein, c'est clair et net, là. Voilà. Bon, donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que les choses sont un petit peu plus claires pour vous. En ce qui concerne l'astrologie, je vais faire une pause. Mais bon, j'ai encore pris des consultations jusqu'à mi-décembre. Enfin, tant pis. C'est comme ça. Je vais faire une pause pour m'attaquer aux éclipses. Alors, il y en a une du 4 décembre. J'ai déjà loupé celle du 19 novembre. Enfin, celle du 4 décembre me semble plus importante. Parce que là, je vois que l'étau se resserre. La vis se resserre au niveau du gouvernement. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on n'a pas fini encore. Hein. Ça va durer encore. Mais il faut tenir bon et surtout être solidaire. Protégeons nos enfants. C'est le plus important. Merci beaucoup, en tout cas, de votre soutien. Dès que j'atteindrai 15 000 abonnés, eh bien, ma foi, je ferai peut-être des lives. J'aime pas trop, mais enfin, bon, okay, si vous le voulez, je m'y mettrai. Voilà, en tout cas, merci en tout cas de m'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.